Bonjour, je m'appelle Dominique Trochet, je suis violoncelliste, je suis encore en études au Pôle Sup 93. J'ai commencé le violoncelle à l'âge de 4 ans avec la méthode Suzuki, qui est spécialisée dans l'apprentissage de la musique aux jeunes enfants. J'ai pas choisi mon instrument, c'est ma mère surtout, je pense, qui voulait que je fasse du violoncelle. C'est en faisant de la musique que j'ai pris goût à la musique et que ça me semblait une meilleure voie professionnelle à prendre. Et en fait, c'est aussi peut-être la découverte de la musique contemporaine qui m'a amené à me dire ça, c'est le genre de choses que j'aimerais faire dans la vie plus tard. J'habitais à la Courneuve que depuis 2018. J'ai trouvé un appartement assez spacieux où je vis en coloc. En sortant du conservatoire, je vais au bar avec les copains et je peux y rester jusqu'à l'heure que je veux sans avoir à regarder ma montre et dire « Ah, c'est le dernier métro ». Il faut un peu apprendre à aimer chanter d'abord, parce que pratiquer un instrument, certes, on n'utilise pas la voix, mais en fait, il faut avoir un chant intérieur pendant qu'on joue pour vivre les choses qu'on est en train de jouer. Après, la pratique d'un instrument, ça nécessite de jouer au moins tous les jours. Dans l'immédiat, j'ai l'intention de passer un concours d'orchestre. Donc si je peux en faire professionnellement, c'est quelque chose qui me plairait. J'aime bien aussi la musique contemporaine, donc j'aimerais bien allier les deux. Donc faire de la musique classique et romantique d'un côté à l'orchestre, et de l'autre, j'aimerais fonder une association où je pourrais choisir les programmes et faire de la musique contemporaine comme moi j'en ai envie.